Bonjour et bienvenue à tous. Je suis vraiment très, très honorée et heureuse de pouvoir accueillir aujourd'hui au Collège de France non pas un invité, mais deux invités qui viennent d'horizons assez différents. Qui se connaissent à peine, je crois qu'ils viennent tout juste de se rencontrer, et qui vont cependant nous parler de sujets connexes, quoique, comme vous allez le voir, sous des angles très différents. Alors, il m'est déjà arrivé, comme vous le savez peut-être, d'inviter un certain nombre de collègues japonais, tous remarquablement francophones, et c'est de nouveau le cas aujourd'hui. Je récidive, je persiste et je signe aujourd'hui avec le professeur Miura Nobutaka, qui est assis ici, que nous écouterons à 16h. Mais auparavant, j'accueille pour la première fois le professeur Viren Murthy, actuellement professeur associé à l'Université du Wisconsin à Madison, aux États-Unis, et pour quelques mois, actuellement donc chercheur résident à l'Institut d'études avancées de Nantes. Vous savez peut-être qu'il s'agit d'une institution créé notamment sous l'impulsion du professeur Alain Supiot, qui enseigne au Collège de France actuellement, qui est juriste de formation. Et donc, nous avons cet institut d'études avancées qui accueille chaque année donc, un certain nombre d'enseignants chercheurs du monde entier et qui fait rencontrer donc, toutes les disciplines. Alors, Viren est un collègue et un ami qui a partagé ses années de jeunesse entre les États-Unis et l'Inde et qui travaille sur les rapports intellectuels entre la Chine et le Japon et qui, parmi beaucoup d'autres langues, parle le français. Donc, nous avons deux collègues cet après-midi qui nous font donc l'honneur et l'amitié de s'adresser à nous en français. Alors, pourquoi, me direz-vous, lorgner si fort du côté du Japon et maintenant aussi de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de l'Inde, alors que je suis censée m'occuper de la Chine? Eh bien, précisément parce que je crois que j'en ai assez de me voir poser la sempiternelle question « Alors la Chine ?» comme si la Chine était une entité à part, autosuffisante et existant par elle-même. En effet, force est de constater de manière de plus en plus évidente que la Chine fait partie d'un ensemble où d'autres entités ont tout autant leur rôle à jouer, à commencer par ses voisins immédiats que sont donc le Japon et l'Inde. Donc il m'a semblé important de replacer la Chine dans ce contexte d'ensemble. Et c'est ce que j'ai commencé à faire dans mon cours ici au Collège de France. Alors, Viren Murthy a été formé donc en philosophie et en histoire des idées. Il a commencé par obtenir un master à l'université de Hawaï. Hawaï qui est un centre bien connu de rencontre entre l'Est et l'Ouest, hein, vous savez, cette île au milieu du Pacifique.
Et c'est donc là qu'il a commencé une thèse sur la possibilité philosophique de la démocratie en Chine. C'est-à-dire qu'il il a commencé par se demander si le concept de démocratie est pensable à partir de catégories chinoises, et principalement donc à partir de l'enseignement de Confucius et la tradition dite confucianiste. Mais après avoir commencé ce projet, Viren en est venu à s'intéresser de plus en plus au rapport entre histoire et philosophie. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que des idées ou des mouvements comme la démocratie ne sont pas simplement de purs problèmes philosophiques, mais ils mettent en jeu aussi des rapports historiques dans notre modernité dite occidentale de type capitaliste. Au fond, il y a eu cette prise de conscience que nous ne pouvons pas comprendre la philosophie sans tenir compte de ces conditions historiques. Et c'est ainsi que Viren-Murthy a obtenu un doctorat de philosophie à l'université de Chicago, sous la direction de l'éminent professeur Prasenjit Dwara, également donc originaire de l'Inde, qui s'est également intéressé précisément donc au rapport intellectuel entre Chine et Japon. Et donc dans cette thèse, Viren-Murthy donc souligne l'importance de la réponse des intellectuels asiatiques à l'imposition de cette modernité occidentale. Et son premier ouvrage, qui est paru donc aux éditions Brill de Leiden en 2011, et qui s'intitule The Philosophy of Zhang Taiyan, The Resistance of Consciousness, donc la philosophie de Zhang Taiyan, la résistance de la conscience. Donc ce premier ouvrage, qui est donc dérivé de la thèse doctorale, s'attache donc à cette figure de cet intellectuel chinois révolutionnaire qui a vécu environ il y a un siècle, donc Zhang Taiyan, qui a essayé d'imaginer une alternative à la modernité de type capitaliste en mobilisant des ressources dans la pensée ancienne de la Chine, notamment donc le bouddhisme, le confucianisme et le taoïsme. Et Zhang Taiyan a particulièrement mobilisé des concepts bouddhistes comme l'impermanence pour critiquer en fait les institutions comme l'État, l'État dans le sens de l'État-nation. Et actuellement, Viren-Murthy est en train de rédiger un livre sur l'asianisme au Japon et en Chine, en rendant compte aussi de l'influence indienne qu'il connaît aussi assez bien. Donc aujourd'hui, sa présentation sur la figure importante de Takeuchi Yoshimi fait partie intégrante de ce projet plus large sur l'asianisme et sur la critique de la modernité en Asie. Je vais donner la parole à Viren-Murthy, mais avant cela, il y a un rituel maison du Collège de France,
la remise donc d'une médaille pour remercier nos conférenciers d'être venus d'aussi loin et de nous parler de leur spécialité. Merci. Bon, merci, merci. Okay, merci pour cette introduction très, très généreuse et aussi merci à tous d'être venus. Comme vous voyez, le titre de ma présentation s'appelle Takeuchi Yoshimi, panasianisme et la casse-tête de la modernité postcoloniale. Je vais aborder ce thème de deux niveaux aujourd'hui. Premièrement, il s'agit d'une question d'histoire. Comment est-ce qu'on comprend la pensée de Takeuchi, ses critiques de la modernité et son asianisme, de point de vue historique? Comment est-ce qu'on met ça dans un contexte? Mais de l'autre côté, quand je parle de casse-tête de la modernité postcoloniale, il y a une question théorique aussi. Et là, il s'agit d'un rapport entre le postcolonialisme et le marxisme. Et je vais parler de ça juste un peu vers la fin. Voilà une esquisse de ma présentation aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec une introduction. Et puis, il y a deux parties principales. Donc, la première partie s'agit plutôt des idées de Takeuchi pendant la guerre, et donc la Deuxième Guerre mondiale et un peu avant la guerre aussi. Et là, je vais traiter ces concepts fondamentaux comme le néon, la transcendance et les choses comme ça, et aussi son interprétation de l'écrivain chinois, Lu Xun. Et dans la deuxième partie, je vais parler un peu de comment Takeuchi reconstitue ses idées, comme le néon, la transcendance et tout ça, dans le contexte de l'après-guerre au Japon. Okay? Et puis, la fin, dans la conclusion, je vais retourner vers quelques problèmes théoriques. Le marxisme et tout. Commençons par l'introduction. Donc, Takeuchi Yoshimi, peut-être pour beaucoup d'entre vous, n'a pas vraiment besoin d'une introduction. Mais il est au Japon, il est très bien connu comme pour deux raisons. Premièrement, comme un intellectuel engagé. Il était quelqu'un qui n'a pas seulement écrit des textes dans les revues académiques, mais aussi il a écrit dans les journaux. Et le contenu de ces articles, et ça c'est la deuxième raison, il est connu comme sinologue. Le contenu de ces articles était plutôt sur la Chine. Dans l'introduction, Anne Chang m'a déjà souligné qu'au début, je faisais la Chine. Donc la première fois que je suis allé au Japon, ce n'était pas pour étudier le Japon, mais c'était pour étudier la Chine. Et donc, tous les jours, j'ai rencontré les sinologues japonais. Et parmi les sinologues japonais, Takeuchi, le nom de Takeuchi Yoshimi vient très souvent. Et c'est comme ça que j'étais vraiment introduit à ces critiques de la modernité, ces pensées de l'Asie. J'étais en train d'écrire un doctorat sur Jiang Taiyuan. Et je voyais que beaucoup des sinologues qui ont travaillé sur Jiang Taiyuan étaient influencés par Takeuchi. Et c'est comme ça qu'on a cette idée de Jiang Taiyuan comme quelqu'un qui critique la modernité. Parce que si on regarde les œuvres chinois sur Jiang Taiyuan, il est plutôt conçu comme interprété comme moderniste ou quelqu'un comme ça. Ok, donc à ce moment-là, j'ai commencé à penser, mais peut-être ça serait intéressant d'étudier les idées de Takeuchi lui-même, de faire une sorte d'étude sur la sinologie
japonais, et Takeuchi en particulier, ses critiques de la modernité et sa vision d'Asie. OK. Avant de commencer, je veux essayer de me situer parmi des autres travaux sur Takeuchi, surtout en langue occidentale, parce qu'il y a au Japon, il y a beaucoup de travaux sur Takeuchi et on peut pas. Si on entre là-dedans, ça va être très difficile d'en sortir. Donc, le premier livre en langue occidentale, c'est le livre de Christian Uhl, Verva Takeuchi's Yoshimi's Lushun. Et c'est un livre très philologique, très bon, mais très philologique. Ça veut dire qu'il utilise beaucoup des sources pour montrer les influences de Takeuchi. Et sa thèse est de Takeuchi était influencé par l'école de Kyoto, une école assez importante de la philosophie au Japon. Et il dit que bon, les idées comme le néant et tout, ça vient de l'école de Kyoto. Et puis, il y a Richard Kalichman, qui a fait un livre, Displacing the West, qui est apparu en 2004. Et c'est un livre très philosophique. Lui, il est très influencé par la philosophie française. Et donc, il utilise la philosophie de Derrida, la philosophie de Jean-Luc Nancy pour interpréter Takeuchi Yoshimi. Et le livre est un peu dur à lire parce que des fois on lit ce texte et on n'est pas sûr si on est en train de lire un livre sur Takeuchi ou un livre sur Derrida ou Jean-Luc Nancy. Mais je trouve ce livre intéressant quand même parce qu'il pose des questions intéressantes, la question de transcendance, la question de néant et tout. Et moi aussi, je vais aborder ces mêmes questions, mais de points de vue un peu différents qu'on va voir. Donc, troisièmement, en chinois, il y a le livre de Sun Ge, le paradoxe de Takeuchi, qui est très bon aussi, qui est très historique, mais il s'agit plutôt de le Takeuchi de l'après-guerre et le rapport entre la démocratie japonaise et tout. Et en français, il y a Samuel Gouet qui est le livre Entre nonchalance et désespoir. C'est un livre plutôt qui décrit la sinologie japonaise pendant la guerre et la contradiction entre leur amour pour la Chine et puis leur rapport avec la guerre contre la Chine. Dernièrement, je mentionne Nakajima Takahiro parce qu'il il parle de Takeuchi des années 60. Il s'intéresse à la question de temps, la temporalité. Lui aussi, il est de côté plutôt philosophique. Moi aussi, je vais essayer de développer quelques idées sur le problème de temps. Donc, c'est pour ça que je le mentionne. Mais peut-être plus important que tout ça, c'est comment est-ce que moi je me situe parmi ces textes. Pour le dire simplement, il y a deux méthodes ici. Oui, on peut dire que c'est historique, plutôt historique, histoire des idées. Et ça veut dire que quand on rencontre un texte ou bien une pensée, pour le comprendre, il faut le mettre dans un contexte. Donc, ça veut dire dans les débats. Et ça, c'est la méthode qu'on connaît comme l'histoire des idées. Okay? Je pense que la plupart des études sur Takeuchi, surtout en chinois ou même en Japon, sont comme ça. Mais puis, il y a une autre méthode. Et c'est de Richard Kalichman qui dit que moi, l'histoire ne m'intéresse pas beaucoup. Moi, je vais lire Takeuchi pour résoudre ou bien pour parler des problèmes philosophiques. Okay? Et moi, j'essaie de combiner ces deux méthodes. Dans un côté, je m'intéresse vraiment aux questions philosophiques parce que c'est avec la philosophie qu'on peut, comme An Chiang a dit au début, c'est comme ça qu'on peut sortir d'un état-nation ou bien de penser Takeuchi seulement comme un penseur japonais, parce qu'il traite des problèmes qui sont beaucoup plus larges, comme la modernité, qui n'est pas seulement des problèmes du Japon. Mais de l'autre côté, je veux essayer de
penser ces problèmes historiquement. Mais pour ça, il faut repenser ce que c'est l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire mettre quelque chose dans un contexte historique? C'est comment est-ce qu'on définit ce contexte? C'est ça le problème. Et pour expliquer ça, je vais vite lire une citation de Bruce Cummings dans son livre sur la Corée. Et ça, c'est aussi écrit pour le grand public, mais il pose une question très importante, et je peux le dire que c'est une moitié de ce que j'appelle le casse-tête de postcolonialiste. Et je vais juste lire ça. Il n'y a pas de distinction fondamentale entre le colonialisme japonais et le projet de l'industrialisme moderne. Donc, il n'y a pas de distinction fondamentale entre le colonialisme japonais, l'hégémonie américaine et la modernisation coréenne, taïwanaise, etc. Ces modernités nationales ne pourraient vous expliquer pourquoi le montre de l'usine ou de la surveillance des policiers sont mauvaises. Alors, la souveraineté nationale n'a pas l'air d'être si importante. Donc là, il y a, j'ai dit, c'est une moitié du casse-tête postcolonialiste. Parce que ce qu'il veut dire est que, bon, tout le nationalisme anticolonialiste, vers la fin, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reproduit les problèmes de la modernité. Donc, pour utiliser les mots de Harry Harutunian, ils sont surmontés par la modernité. Et c'est ça c'est une moitié de problèmes postcolonialistes. J'ai dit une moitié parce que l'autre moitié, que les postcolonialistes veulent toujours sortir de la modernité, veulent toujours trouver les moyens pour critiquer la modernité et trouver une alternative. Okay? Et je pense que Takeuchi, il est dans le même problématique. Parce que ça veut dire que dans un côté, il voit ce problème de toutes les résistances. Par la résistance, on peut reproduire ce qu'on est en train de résister. Si c'est le capitalisme ou la modernité capitaliste, on parle l'anticolonialisme, on reproduit le problème. Mais de l'autre côté, il veut résister, il cherche la résistance. Mais il vit dans une autre époque. Et c'est là mes problématiques aujourd'hui. Parce que la pensée de Takeuchi représente une période où la résistance au colonialisme pourrait être conçue comme une partie de la résistance au capitalisme mondial. Donc il y avait pour lui un lien entre anticolonialisme et socialisme. Donc ça veut dire une autre pensée de nationalisme dont on va parler plus tard. Mais pour lui, il pense que cette résistance, dans cet autre nationalisme, est lié à un type de transcendance comme le négatif, le néant et tout, une sorte de subjectivité qui est différente. Okay? Et c'est ça qu'on va essayer d'analyser plus tard. Donc, pour aller un peu plus loin, l'asiatisme, qui est une partie de cette résistance, dans l'après-guerre, on peut le comprendre comme réponse au capitalisme mondial et la guerre froide. Et ça aussi, on va voir. Mais pour ça, on a besoin, pour comprendre ça, si on dit résistance au capitalisme, pour comprendre ça, on a besoin d'une théorie du capital. Et ça aussi, je vais parler vers la fin. Okay. Donc, ça, c'est un peu plus profond, je vais sauter ça. Maintenant, la deuxième partie. Avant qu'on commence avec les pensées de Takeuchi, il faut décrire un peu le contexte historique. Et je veux parler juste un peu sur changement de conception du temps. Parce qu'on peut dire que dans la période d'Edo, il y avait plusieurs conceptions de temps, mais il n'y avait pas vraiment cette idée de progrès qui devient très important dans la période de Meiji. Parce que dans la période d'Edo, donc c'est 1600 jusqu'à 1868, donc l'ère de Meiji,
Il y avait beaucoup des conceptions, mais pour, chez les confucianistes, il n'y avait pas une conception de progrès, mais on pourrait dire une conception de régression. Donc ça veut dire l'utopie ancienne, et puis les choses deviennent de pire en pire, et puis il faut retourner vers l'ancien. Mais dans le 19e siècle, ça commence à changer, parce que, bon, après la guerre d'opium et tout, la Chine est un peu plus ou moins décentrée. Et avec ce changement géographique, il y a un changement de temporalité aussi. Ça veut dire qu'il y a un changement où la Chine n'est plus le centre, c'est plutôt, peut-être on peut dire que l'idéal devient l'Occident. Et il y a beaucoup de gens qui disent, pour comprendre l'histoire du Japon, il y a deux autres qu'il faut vraiment penser. D'abord la Chine et après l'Occident. Et peut-être dans l'après-guerre, on peut dire que c'est les États-Unis. Mais avec ce changement, il y a une sorte d'idée de progrès, de temporalité linéaire. Okay? Et c'est Fukuzawa Yukichi qui exprime cette idée de progrès, peut-être le plus clairement. Et il fait ça dans son livre « Esquisse d'une théorie de la civilisation », qui est apparu en 1875. Et dans ce texte, il distingue les barbares, les moitiés civilisés et les civilisés, et ce sont des catégories qui sont à la fois géographiques et temporelles. Ça veut dire que les barbares sont en Afrique et en Australie, et ils sont arriérés. Donc, il y a une conception de temps là. Et puis, les civilisés, c'est l'Occident. Donc, ça, c'est, disons, les États-Unis, l'Europe, mais plutôt la France et l'Angleterre. Et ils sont les plus développés. Et puis, la moitié civilisée, c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus, parce que ça, c'est l'Asie. Mais dans l'Asie, il y a l'Inde, il y a la Chine, le Japon et les pays arabes. Mais il y a aussi, le Japon est plus civilisé que les autres. Et donc ça, on peut discuter, parce que j'ai écrit un autre chapitre sur Fukuzawa, on peut parler de ça, pourquoi son raisonnement. Mais ici, je veux juste dire que après la guerre sino-japonaise, les idées de Fukuzawa deviennent très acceptées parce que même le Japon a vaincu la Chine dans la guerre. Mais les choses sont un peu plus compliquées parce que après la guerre russo-japonaise, quand le Japon a vraiment vaincu un pays soi-disant occidental, il y a quand même une sorte de résistance contre l'Occident. Et ça, c'est aussi peut-être parce qu'il y a des gens qui disent que vers la fin de Meiji, les intellectuels japonais commencent à voir les problèmes du capitalisme. Et en plus, on peut dire qu'après la Première Guerre mondiale, il y a même en Occident une sorte de critique de la modernité, Oswald Spengler et tout ça. Et donc, quand on vient vers l'époque de Takeuchi, ce sont des années 30, on a maintenant une sorte de tension dans la pensée japonaise entre la modernité et l'anti-modernité, entre une vision linéaire du progrès et une sorte de contre-discours qui est d'asiatisme et tout. Mais donc Takeuchi entre à l'université de Tokyo en 1931. Et il est assez particulier parce qu'il est la seule personne parmi les autres gens qui étudient la Chine qui s'intéresse à la Chine contemporaine. Parce que la plupart des gens au Japon, ils sont, les sinologues, ils pensent que la Chine maintenant, c'est assez arriéré. C'est la Chine ancienne où il y a tout le savoir et tout, ouais, la Confucius et tout, oui. Et les textes comme ça, ce n'est pas la Chine. Il essaie de convaincre ces autres sinologues japonais,
de son point de vue, en disant que bon, il faut vraiment étudier la littérature contemporaine et pas seulement les choses anciennes. Et c'est là qu'il établit une revue qui s'appelle La littérature chinoise. Et dans cette revue, il commence à entrer en débat avec des autres sinologues. Et il y a deux écoles, je ne vais pas en parler beaucoup, mais il y a deux écoles de sinologie en Japon à cette période-là, c'est le Kangaku et le Shinagaku. Je vais juste dire que le Kangaku, c'est la sinologie un peu plus ancienne. Ça veut dire qu'ils utilisent plutôt, ils étudient les vieux textes dans une manière plutôt, confucianiste, disons. Et le Shinagaku, c'est plus moderne. On peut voir déjà avec le nom, ils utilisent le nom Shina, qui vient de l'Occident, la Chine ou quelque chose comme ça. Et pas Chugoku, parce que Chugoku, ça veut dire le pays au centre. Donc déjà, dans le nom, il dit décentre la Chine. Mais eux, ils veulent utiliser plutôt les concepts de sciences sociales, les choses comme ça. Okay? Et Takeuchi entre en débat avec les deux et dans son revue. Donc, par exemple, il y a Yoshikawa Kojiro, qui est un très grand sinologue de l'école de Shinagaku. Et lui, dans les années 40, il publie un article sur la traduction en disant qu'il faut être très philologique, il faut faire des traductions qui sont fidèles à l'original et tout. Okay? Et Takeuchi répond. Il dit oui, bien sûr, il faut faire tout ça, mais il a dit que la traduction a besoin du moment de négation du soi. Et ça, pour les sinologues japonais, ça, c'est un peu bizarre. Parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un moment de négation de soi? Qu'est-ce que la négation de soi a? Il n'y a rien à voir avec la traduction. Donc déjà, Takeuchi, il est un peu à part des autres sinologues. Et après plusieurs débats comme ça, il trouve que c'est vraiment inutile de continuer ces débats. Et il abolit sa revue. Et aussi, il y avait un groupe de lecture qui l'abolit en même temps. Et ce qui est intéressant à ce moment, et bien sûr, c'est un moment de la guerre. Donc, c'est vraiment un moment assez tendu. Et c'est pour ça que les écrits de Takeuchi de cette période sont un peu controversés. Parce que lui, il soutient la guerre. Et je vais juste parler un peu de ça en citant un texte. En fait, c'est le même texte, l'abolition, où il dit, vous voyez comment il soutient la guerre. Il dit, oui, nous pourrions dire que la grande guerre de l'Asie est en train de réécrire l'histoire. C'est pour ça que Takeuchi est si controversé, parce que en Chine et tout, quand il y a des gens qui disent, mais comment est-ce qu'on peut prendre Takeuchi au sérieux, parce que voilà, regarde ce qu'il a dit sur la guerre. Mais moi, ce qui est intéressant, et pourquoi il a soutenu la guerre, parce que c'est lié avec cette idée de négation de la modernité. Je pense que la guerre était une négation de la modernité, et quelque chose qui est assez postcolonial, la culture moderne doit être niée parce que cette culture est la projection de l'Europe sur nous-mêmes. Ça, c'est aussi la critique du postcolonialisme. On a perdu notre culture. Et c'est pour ça qu'on a cette critique, négation de soi, parce que notre culture est déjà la culture d'Europe, et c'est pour vraiment trouver une sorte d'identité, il faut d'abord se nier. C'est ça sa logique. Hein. Et c'est comme ça que le monde peut être créé par l'intérieur. Okay? Donc, on peut bien sûr, cette période est très intéressante, mais je vais vite sauter à Lu Xun, qui est écrit en même temps. Donc, Lu Xun, encore, peut-être il n'a pas vraiment besoin d'une introduction ici, mais il est considéré des grands écrivains chinois, des fois considéré comme la père de la littérature moderne en Chine. Et
Il est aussi, vous voyez qu'il est mort en 1936. Et à ce moment-là, le Parti communiste chinois commence à la canoniser, bon, l'interpréter comme écrivain moderne. Okay? Et ici, et c'est là, il est un peu comme, il devient un peu comme Fukuzawa Yukichi, bon, comme il a la même idée de progrès, le nationalisme, la modernité, il est lié avec tout, à tout ça. Et Takeuchi va lutter contre cette interprétation. Okay? Donc, Takeuchi, il va essayer de lire Lu Xun comme un critique de la modernité. Okay? Et c'est ça que nous voyons. Donc, il publie ce livre en 1944. Et pour comprendre sa critique, on peut juste lire un peu. Il dit, Lu Xun avait vécu sincèrement, il était un nationaliste enthousiaste et il était un patriote. Cependant, il n'a jamais soutenu sa littérature à travers ses concepts. Donc, ce qu'il veut faire, il veut séparer sa littérature et son nationalisme. Donc, ce qu'il fait ici, il revient vers le néant. Il dit, ouais, ben, la source est vraiment de la littérature, c'est vraiment quelque chose qu'on peut appeler le néant. Donc ici, ce qui est très important, et il essaie de séparer la politique et la littérature. Okay? Mais cette séparation, pourquoi est-ce qu'il fait cette séparation? Est-ce que ça veut dire que la littérature n'a rien à voir avec la politique? Non. Et c'est ça où les choses deviennent un peu plus compliquées. Il essaie, et je ne vais pas lire cette citation, mais je vais juste l'expliquer. Il essaie de penser une dialectique entre la littérature et la politique pour renouveler la politique. Donc, c'est ça qu'il a toujours essayé de faire et penser une politique d'en bas. Et ici... Vous voyez ce qu'il veut dire, et que dans la littérature, on crée un monde qui est possible. Et avec ce monde possible, on peut critiquer le monde actuel. Et donc c'est pour ça, c'est comme ça que la littérature devient une sorte de possibilité de renouvellement. Et ça, c'est quelque chose qu'il pense tout le temps. Mais dans l'après-guerre, il y a bien sûr des changements, et donc je vais vite passer à l'après-guerre. Donc, l'après-guerre japonaise est bien sûr compliquée, et il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a, bien sûr, le Japon est vaincu, et il y a l'occupation des États-Unis. Et cette occupation est bien sûr aussi compliquée parce qu'il y a des gens des gens de gauche qui ont pensé bon, l'occupation n'était pas mal parce que en fait beaucoup des marxistes et tout étaient en prison et ils ont été libérés par les États-Unis. Mais après ça, après un moment, quand il a commencé à penser, bon, il y a une opportunité de faire des mouvements ou quelque chose comme ça, il y a bien sûr l'oppression des États-Unis et le gouvernement. Donc il y avait un problème et il y avait des gens qui ont pensé, bon, est-ce que le Japon, le colonisateur, est devenu colonisé par les États-Unis? Donc c'est ça le problème pour Takeuchi, c'est un problème très important. D'autre côté, il y a aussi, bien sûr, l'État qui dirige le développement. Donc ici, on peut parler de théorie de la modernisation qui devient très important dans les années 50, où il y a encore une vision de progrès qui est un peu comme celle de Fukuzawa. Puis, pour compliquer des choses, il y a des témoignages positifs de Mao. Ça, c'est quelque chose que, dans l'histoire... intellectuel du Japon, l'histoire des idées au Japon, il n'y a pas
bon, assez de gens qui soulignent ça, je pense, parce que il y a des gens comme Nosaka Sanzo qui était, bon, il était, faisait partie du Parti communiste japonais, et il était en Chine, à Yan'an, pendant la révolution. Il est retourné vers 1946 et il commence à dire des témoignages assez positifs de Mao. Et Takeuchi est bien sûr influencé par ça, et il est aussi quelqu'un qui essaie de aussi propager ces idées de Mao. Ok, donc dans le contexte d'après-guerre, Takeuchi est aussi un peu particulier parce qu'il est quelqu'un qui veut continuer le discours de l'Asie, de l'unité de l'Asie et la critique de la modernité. Donc pourquoi est-ce que ça devient un peu compliqué dans l'après-guerre? Parce que l'asiatisme, c'était une idéologie de la guerre. Donc, et aussi la critique de la modernité, comme il y avait cette colloque assez important, surmonter la modernité. Et tout ça était lié à la guerre. Donc, Takeuchi doit répondre à une question. Pourquoi le Japon est-il devenu impérialiste? C'est peut-être plus important pour lui. Bien sûr, fasciste aussi, c'est un problème. Et il doit trouver une autre réponse que les marxistes. Parce que les marxistes de Kozaha, eux, ils ont dit, bon, j'ai la réponse, parce que le Japon n'a pas assez modernisé. Donc c'est pour ça qu'ils ont devenu fascistes et, bon, on peut dire aussi impérialistes. Et Takeuchi essaie de trouver une autre réponse. Il dit, non, c'est le contraire. C'est parce que le Japon est devenu trop moderne qu'ils ont devenu impérialistes. Donc c'est comme ça qu'il peut lier la critique de la modernité à la critique de l'impérialisme japonais. Et ça, il y a beaucoup de textes là qui disent ça, je ne vais pas les lire juste pour finir un peu plus vite. Mais pour le dire simplement, il construit une théorie dans un article qui est écrit en 1948, qui s'appelle « Qu'est-ce que c'est la modernité ?» C'est traduit aussi en français. C'est un article très, très intéressant. Et là, il commence à décrire comment il y a une logique du capitalisme, de l'Europe, une sorte d'expansion, et comme ça. Et ce qui se passe est que le Japon est englobé dans cette logique, et c'est pour ça que le Japon devient impérialiste. On peut dire que pour lui, le Japon, l'impérialisme européen n'est pas seulement quelque chose d'économie, mais il s'agit aussi d'une sorte de la culture, de la science, et comme il dit qu'il y a cette tendance d'apprendre des choses et les objectiver. Donc, ce problème d'objectiver, c'est là, pour lui, la résistance va être contre ce rationalisme absolu ou bien cet objet. C'est la subjectivité qu'il va chercher. Donc, pour sauter, c'est ici ce qui est important, je pense. Parce que comment est-ce que la résistance est possible? Il dit, l'Europe a englobé l'Orient, mais on aurait dit qu'elle ressentit qu'un reste qui lui a échappé. C'est ici que s'enracine l'inquiétude de l'Europe. Et je me demande si la résistance persistante de l'Orient ne l'a pas attisée. Donc ici, ce qu'il veut dire est qu'il y a il y a un reste qui lui a échappé. Et moi, je vais aller un peu plus loin en disant que pour Takeuchi, c'est exactement ce reste qui est la condition de la possibilité de la résistance. Ce qui veut dire que l'Europe ou le capital ne peut pas tout englober. Ce qui est important ici. Donc, après ça, il faut continuer. C'est là qui est décrit comment la résistance est possible. Il y a ces choses qui échappent, les choses qui le restent, qui devient
la condition de la possibilité de la résistance. Et puis, il sépare la Chine et le Japon. La Chine a résisté, le Japon n'a pas résisté. Ici encore, pas besoin de lire, mais vous voyez qu'ici, il n'y a pas, le Japon n'opposa aucune résistance à l'Europe. Donc, il n'y a pas de résistance, même moins que l'Europe, contre le capitalisme. Et c'est là, et c'est ici qu'il dit, et c'est pour ça, c'est là la raison pour laquelle le Japon est devenu impérialiste. C'est ça qu'il dit. Et qu'est-ce qui se passait en Chine? En Chine, c'est une autre histoire. Et ici, il y a beaucoup de choses dans l'histoire chinoise qu'on n'a pas besoin de vraiment entrer là-dedans, mais selon Takeuchi, ce qui se passe, c'est que avec la Chine, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que des échecs. La modernité n'a jamais, est jamais achevée. Et c'est exactement pour ça qu'il y a la résistance en Chine. C'est ça un peu le paradoxe, qui est que, comme il y avait toutes des réformes, les réformes de 100 ans, vers la fin du 19e siècle, et après la révolution république, tout ça, ce sont que des échecs. Bien sûr, c'est écrit ça s'est écrit en 48, donc l'année prochaine, il y aura une révolution qui a du succès. Mais lui, il va essayer de lier les deux, en fait, parce que Mao aussi, pour lui, fait partie de ça, et on va voir ça bientôt. Et donc, c'est pour ça, comme il y a tant des échecs d'en haut, il y a la révolution par le bas. Et c'est là-bas, c'est le peuple, la classe populaire, qui est la possibilité de... C'est aussi des choses qui ne peuvent pas être englobées. Hein. OK, donc Lu Xun, je ne vais pas lire ça, mais juste pour le dire très vite, Lu Xun est quelqu'un qui exprime ça. C'est lui, il est un peu l'essence de cette résistance. OK. Mais Lu Xun... Bon, il symbolise la résistance de la Chine, mais pas seulement de la Chine, aussi de l'Asie. Donc, ce qu'il veut dire est que la Chine n'est pas seulement la Chine, mais la Chine devient une sorte de type idéal de l'Asie. Okay? Donc, et c'est pour ça qu'il voit, il dit, il y a des types comme Lénine et Gorky, Sun Yat-sen et Lu Xun, Gandhi et Tagore, Kemal ou bien Ibn Seyoud. C'est là où il essaie d'englober tout l'Asie ici. Et c'est intéressant de voir, d'abord, Lénine et Gorky. Pourquoi Lénine et Gorky? Parce que comme ça, il dit que tout le mouvement socialiste devient partie de l'asianisme. Okay? Donc, Lénine entre en Asie. En fait, Sun Yat-sen a dit ça aussi. C'est-à-dire, après la révolution de 1917, La Russie est entrée en Asie. Okay. Donc, c'est parce que, comme ça, ils ont commencé à résister. Et puis, des autres, c'est toujours un écrivain et puis quelqu'un qui fait la politique. Donc, il y a toujours la dialectique dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, la dernière est bien sûr un peu compliquée. Kemal et bien Ibn Seyoud. Et là, je pense qu'il a ça de Okawa Shume, qui est quelqu'un qui faisait l'islam, des études sur l'islam. Il a même traduit le Coran en japonais. Mais il est un type assez compliqué parce qu'il faisait la propagande pour la guerre. Il était même criminel. Mais je pense que ce que Takeuchi veut faire avec ça, et il veut englober aussi les pays arabes dans sa vision d'Asie. Donc l'Asie devient assez large pour lui. Mais en même temps, l'Asie pour Takeuchi est quelque chose qui n'est pas seulement géographique. Parce que Takeuchi, il disait, on voit Israël, c'est en Asie, mais on ne va pas dire que c'est vraiment en Asie. Mais la Cuba, il dit plus loin. Cuba, ça fait partie de l'Asie, parce qu'il résiste le capitalisme. C'est quelque chose qui... Et ça devient plus clair après
bon, les guerres de Corée et puis Bandung. Parce que la guerre de Corée, bien sûr, il y a l'impérialisme des États-Unis et puis la Corée qui résiste. Et puis Bandung, encore plus clairement, il y a l'idée de tiers-monde. Et ce que Takeuchi essaie de faire est de combiner en fait cette idée de l'Asie et l'idée de tiers-monde. Mm-hmm. Et c'est là, et c'est pour ça qu'on peut commencer à dire que Cuba est dans l'Asie. Donc ici aussi, on peut voir comment les idées continuent, parce qu'ici on commence à parler d'une sorte de nationalisme de l'Asie ou tiers-monde qui est différent de nationalisme occidental. Et c'est là où on a un peu la réponse à Bruce Cummings. En fait, lui, il veut dire non, il y a une autre sorte de nationalisme qui est un nationalisme qui veut se nier. C'est ça son idéal. Il y a un nationalisme qui résiste et vers la fin, c'est le nationalisme qui peut surmonter toutes les structures coloniales. Et dans le même article sur le nationalisme de l'Asie, il essaie de se situer par rapport aux marxistes aux mêmes époques. Et Ryu Shintaro est quelqu'un qui est assez important à l'époque. Il est marxiste, il est bien sûr beaucoup plus compliqué, mais ce que Takeuchi dit sur lui, c'est assez intéressant par rapport à le problème de reste. Parce qu'il dit qu'il y a une méthode, et celle de l'accumulation primitive du capital, mais il fait exprès d'exclure la perspective du capital. Et c'est en fait à travers une telle méthode qu'il développe une sorte d'autre nationalisme et tout ça. Donc ici, j'ai pensé, mais qu'est-ce que c'est, quel est le rapport avec cette problème d'une perspective qui exclure le capital, donc ça veut dire que les restes qui le capital ne peut pas englober, et le nationalisme. Et c'est là, pour Takeuchi, le point d'appui pour la résistance. Pour le comprendre ça, on peut dire qu'il y a, et je ne vais pas entrer trop dans ces théories, mais peut-être la plus simple est de mentionner le texte de Dipesh Chakrabarty, qui a fait une distinction entre l'histoire 1, qui est le capital, et l'histoire 2, qui ne peut pas, les choses qui ne peuvent pas être englobées par le capital. Et c'est exactement ça, je pense, que Takeuchi veut essayer de trouver quelque chose qui ne peut pas être englobé. Et c'est là où on peut penser la résistance pour lui. Donc, plus concrètement, comment est-ce qu'on peut penser ça? Ça, c'est dans la vision de Takeuchi, c'est Mao. Donc Mao, il pense l'idée des bases comme les choses qui n'étaient pas englobées. C'est qu'il dit que dans la Chine et dans, bon, c'était pendant la guerre avec le Japon, il y avait beaucoup des endroits qui n'étaient pas englobés par l'État, et n'était pas englobé par le capital. Et là, il commence à avoir des mouvements d'une sorte d'autonomie. Bon, il dit que c'est aussi lié à une tradition d'utopie ancienne. Donc c'est quelque chose, c'est comme le reste. Donc c'est quelque chose qui devient politique et ça peut répondre et vraiment ça répondre au capitalisme et aussi devenir englober toute la Chine et puis commencer à continuer une résistance. C'est ça sa pensée. Bon, je vais vite finir maintenant parce qu'on peut parler de problèmes de mémoire, mais je vais sauter ça. Et je vais retourner vers le problème de négation et universalité. Surtout négation, parce que j'ai parlé de négation, il parle toujours de négation. Et il y a une sorte de négation qui est liée à une sorte de critique. Et je veux comprendre la négation de Takeuchi, parce qu'il y a, quand on dit résister contre l'Occident, il y a une sorte de négation de l'Occident. Il y a la question qui se pose, quel est le rapport avec cette critique de l'Occident et l'Occident, et les idées de l'Occident. Et Takeuchi sépare deux types de négation. Donc, il y a la négation du Japon, et ça, c'est quelque chose qu'on peut lire ici.
La logique est la suivante. Si une thèse est scientifique ou une école littéraire ne correspond plus à la réalité, c'est qu'elle est dépassée, qu'elle n'est plus pertinente par rapport au réel, et donc il en faut une autre, une nouvelle. On considère que, qu'être fidèle à la science, c'est savoir échanger ce qui était nouveau, mais qui ne l'est plus contre une autre nouveauté. Okay? Donc ça, c'est la négation du Japon. Quand on nie une chose, on va à quelque chose d'autre. Et on fait, donc on est, il y a une sorte de temporalité, parce que ce qui est nié est dépassé. Il y a une sorte de logique là. Et moi, j'ai pensé que ce que Takeuchi fait, c'est un peu plus comme la négation d'Hegel. Et là, on peut lire la négation d'Hegel. Cette puissance, il n'est pas comme le positif qui se détourne du négatif, comme lorsqu'on disant de quelque chose, ceci n'est rien ou faux. Et alors, en ayant fini, nous passons de là à quoi que ce soit d'autre. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a dit avec le Japon. Il va à quelque chose d'autre. Oui. Mais, et c'est ça qui est la clé, mais il n'est cette puissance qu'en tant qu'il regarde ce négatif en face et séjourne près de lui. Donc il faut être en face de ce qu'on dit et le changer peut-être. Et c'est ça, en fait, on peut dire là au Aufheben. Okay? Donc, ça c'est peut-être très clair, mais pour aller un peu plus loin, regardons comment Takeuchi lui-même utilise ce concept. Et c'est là le rapport entre l'Asie orientale et l'Occident. Il dit, l'Asie orientale, et ça c'est un article assez connu, écrit en 1960, l'Asie orientale doit embrasser l'Occident, elle doit changer l'Occident pour réaliser ses valeurs culturelles plus largement. Un tel repli des valeurs culturelles va créer l'universalité. L'Asie orientale doit changer les valeurs universelles que l'Occident a produites. Effectuer ce changement est le vrai problème pour les rapports entre l'Est et l'Ouest aujourd'hui, et c'est à la fois un problème culturel et politique. Les Japonais doivent aussi tenir compte de ce problème. Donc ici, on peut voir beaucoup de choses, parce qu'il y a d'abord cette idée, bon, il y a une négation, mais en même temps, c'est on est très près des valeurs occidentales et il y a une sorte de repli. Et le repli, c'est le mot en japonais, c'est maki kaisu, qui est un peu difficile à traduire. Quand j'ai faisais un peu de judo, j'ai entendu ce mot, mais c'est quand on utilise le pouvoir de l'autre pour le faire tomber. Donc c'est en fait, on fait un peu de judo avec l'Occident, c'est ça que Takeuchi veut faire peut-être. Mais après ça, on peut réaliser une autre universalité. Et c'est ça qui est très intéressant à penser. Mais c'est quoi cette autre universalité? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le socialisme aussi. Le socialisme ne veut pas nier toutes les idées du capitalisme, c'est comme l'égalité ou la liberté, mais il veut les réaliser dans un autre niveau. Et c'est ça la même logique que je pense. Il est en train de suivre, de réaliser une autre universalité. Mais peut-être même les idées de liberté, égalité, les choses qu'on pense que sont des universelles, va être comprises différemment. C'est ça. C'est ça qu'il veut faire. Et je vais plus ou moins finir avec cette citation, mais juste pour conclure, je veux mentionner deux personnes contemporaines. Qui je pense continue plus ou moins les idées de Takeuchi dans un contexte différent. Misoguchi Yuzo, c'est un historien qui explicitement dit qu'il est en train de continuer la voie de Takeuchi. Wang Hui, il est un peu plus compliqué, son rapport avec Takeuchi est un peu plus compliqué comme venant de la Chine. Mais je pense, bon, dans la discussion, si ça vous intéresse, on pourrait parler de ça. Mais bon, je vais finir ici. Merci.
Là, nous avons un exposé magistral et une maîtrise du temps parfaite. J'avais dit à Virène donc 50 minutes et là, c'est 50 minutes pile. Ah bon. Hein, c'est bien. Je pense que peut-être... moi, je dois dire que j'ai essayé de m'accrocher très fort parce que là, on a été entraîné dans un exercice non seulement de judo, mais dialectique assez, costaud, parce qu'il fallait quand même arriver à suivre le mouvement entre surmonter, le aufhebung, subsumer, etc. Je crois qu'on a à peu près suivi le mouvement. Simplement, il y aura peut-être certaines choses à préciser, parce que à part l'exercice de judo intellectuel, il y avait également pas mal de références culturelles, historiques, qui sont peut-être pas connues de tout le monde. Hein. Avant qu'on commence peut-être la discussion et qu'on ouvre le champ aux questions, je voulais savoir s'il fallait introduire une distinction entre asianisme et asiatisme. Parce qu'on parle d'asianisme dans le contexte du pan-asianisme, mais est-ce que c'est exactement la même chose que l'asiatisme? Parce que là, les deux termes ont été utilisés. Est-ce qu'il faut introduire une distinction ici? Oui, moi, je pense que chez Takeuchi, c'est plutôt le pan-asianisme. Donc, ça veut dire un asianisme qui dit non seulement que, Asie, c'est une unité, mais aussi qu'il y a une sorte d'idée de résistance. C'est ça qui... Donc, c'est vraiment une idéologie qui parle de résistance, résister, à l'Occident. Et je pense que c'est ça de tout le trajet, commençant avec Okakura Tenshin et tout ça. C'est toujours cette sorte de... Tagore. Oui, Tagore aussi, on peut dire. Et des fois, ils utilisent Gandhi aussi, même s'il n'était pas vraiment pan-asianiste, mais il a critiqué la civilisation occidentale. Et comme ça. Donc, c'est dans la même, je pense, tendance à penser. Je pense que c'est la même sorte de charpente que Gandhi, mais avec une pensée géographique. Mais la géographique est un peu compliquée, parce que nous avons vu que chez Takeuchi, la géographie devient de plus en plus difficile à saisir, parce que tout d'un coup, il y a Cuba qui peut entrer dans l'Asie. Donc, c'est vraiment, on peut dire qu'il y a une tension entre l'Asie comme idée ou idéal, et l'Asie comme entité géographique. Et c'est toujours cette tension dans l'asiatisme. Bien. Nous avons justement la chance d'avoir dans l'auditoire un certain nombre de collègues japonais. Je ne sais pas ce qu'ils pensent de cet exposé. Sinon, d'autres questions venant de...